Bonjour à tous, je vais vous présenter l'alpha du jeu Rapture Reject, qui est un battle royale un peu original. Et on va voir ce que ça donne. Pour le moment, j'ai fait que 3 parties pour voir un peu. Le principal souci de cet alpha, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Donc voilà. Après, j'ai réussi à faire une partie à 4. La carte est pas bien grande, donc du coup. On s'ennuie quand même pas. Et après, c'est une découverte, donc on verra bien ce qu'on fait. On a des petits emotes. On a 8 emotes. Le petit coucou. Je me rends. C'est bien, mec. Petit pouce bleu. Balek. Pitié, pitié, pitié. Je prie pour aller au ciel. Je suis content. Vive le rock'n'roll. Je souris de manière particulièrement expressive. Et enfin, j'ai envie de pioncer et je vais pas tarder à y aller. Donc voilà. Je vais retester un truc. Ouais, mes alarmes ont l'air de marcher. Donc, tout se passe bien. Donc là, comme vous voyez, 213 secondes il reste, on est que 2. Bon, j'ai fait une partie où on était 4 tout à l'heure. J'ai regardé un peu plus tôt dans la journée. J'ai vu un pic à 7 personnes. Mais voilà, je sais pas combien on peut être par partie. J'ai pas regardé. Et là, je me retrouve tout seul. C'est la misère. Putain. C'est la misère, c'est la misère. Et il revient. Et il relance le compteur. Ah voilà. Lui il m'a battu tout à l'heure. Il m'a buté. Bon, on est 3, c'est déjà pas mal. On était 3. On est 2. Ça va être long l'attente, je sens. Bon, après, ça nous permet d'y aller plus à la cool. J'ai pas trop l'habitude des Battle Royale, donc. On verra bien ce que ça donne. On a une esquive aussi. Donc, on a pris on a les trucs classiques pour se soigner. Bon, le poulet je l'ai jamais looté donc je sais pas ce que ça fait, mais je suppose que c'est la grosse trousse de soins, ça te remonte toute la vie. Les bandages ça te remonte jusqu'au petit trait en pointillé sur la barre de vie qui est en dessous. Et après, on a la bière. Et la drogue c'est pour. Ça augmente la taille de ton écran. T'as un meilleur champ de vision, ça. La bière, ça te remonte du petit trait jusqu'en haut, ton énergie. Une grande partie des armes ont deux capacités, à tirer la première et la deuxième, ça dépend de l'arme. Pour l'instant, j'ai testé que deux capacités. Le sniper, si on laisse appuyer, ça prend un temps, mais après, la carte s'agrandit. Et quand on tire, les balles laissent une traînée et sont plus puissantes. L'espèce de mitraillette qui envoie des trucs dégueulasses, des trucs verts. Et le pouvoir spécial, c'est un espèce de bouclier où on se met à voler avec le bouclier autour. On va être deux, je sens, on va être deux. Pas de bol. Hein. Alors je joue, on est 4 et là on est que 2. Et il est meilleur que moi. C'est pas drôle. Donc on a ce petit curseur pour viser et tirer. Enfin, le trait indique la portée et si on a un appareil sur la. Enfin, on a un obstacle sur la trajectoire. La petite visée, c'est ce qui te permet de viser vraiment. Donc là, vous voyez, en bleu, on voit ma portée avec mon poing. Puis le reste, voilà. Mais là, j'ai pas d'arme. Mais il faut que je vise comme ça. Et on voit que là, si j'avais une arme qui avait de la portée, je pourrais peut-être le toucher, ça dépend. Voilà. Après, il y a un petit espace pour esquiver.
Donc il y a du stuff, hein. Il y a des baskets pour courir un peu mieux, il y a des sacs pour avoir plus de pour pouvoir avoir plus de munitions. T'as une espèce de pancarte que tu mets là, c'est ça te sert de gilet pare-balles. Après avec T on peut utiliser des capacités spéciales qu'on peut trouver aussi. Bon, ben on va faire un contre un, c'est pas, c'est triste, mais c'est comme ça. On peut faire tourner la carte aussi, comme ça, pour voir un peu. Là, un gilet pare-balles, enfin, un gilet pare-balles, une armure, on va dire. Celle-là, je l'ai jamais utilisée, l'arme. Donc, je sais pas trop ce qu'elle fait. Après, on a ça. Là, le carton, c'est une capacité spéciale. C'est pour se cacher. Tout à l'heure, d'ailleurs, un mec que j'avais pas vu, je pense qu'il se cachait. Ah, là-bas. Il y a un coffre. Là, c'est encore la même arme que j'ai. J'ai eu un lag là, bizarre. Alors ça laguait pas des masses, mais ça lag. Pas se mettre à bugger, mais... quand même. Quel manque de politesse de sa part. Ah, j'ai plus de place pour récolter les armes. Un god dropping. C'est des espèces de. Ah, donc j'ai une deuxième arme là. On la prend. C'est pas une arme terrible celle-là, c'est un coup. Ouais, bon, je m'embête pour rien là. Ah, des bandages, ça on en a besoin. Ah, sac à dos, ça c'est cool. Ça par contre, ça c'est une arme bien. On peut l'échanger contre l'autre pourri. On va prendre un peu plus d'armes. Je me suis auto-refermé la porte sur moi. Par contre, je sais pas ce que fait le deuxième pour. Hein? Voyons voir. Oh, un poulet! Quand je disais que j'avais jamais looté un poulet, ben voilà, il suffisait de le demander. Je vais peut-être pas m'en servir, mais. Du bandage, des munitions, masse tout. Bah, j'ai un sac à dos, donc là c'est une petite trousse, ça sert à rien de la prendre. Mon sac à dos est plus grand. Ouais, ça fait plus de place quand même. Et ben. Ouais, j'ai plus de place. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il manquerait des chaussures. Et... Ouais. On prend ça. Comblé d'armure. J'en ai déjà de l'armure. Ouais. Un magasin dans 10 secondes. Ah, un autre coffre. C'est le coffre qui m'intéresse. Ah, enfin une autre arme qui me plaît. Ça j'ai pas trouvé. Ouais, c'est ce qui me semblait, c'est une espèce de tromblon tout pourri. Un autre poulet. Ouais, je suis arrivé à la limite de ma capacité. Ah, le bouquin, je sais pas ce que c'est. De... Oh. Ah bah, comment mourir de manière pathétique? Merci, au revoir. Ah putain. Bon, ouais, on va. J'espère qu'il y aura plus de joueurs dans la prochaine partie, parce que là, lui, il est déjà trop fort pour moi.
J'ai tiré à côté, je sais pas ce que j'ai branlé. Je suis mort de manière ridicule. Il n'y a pas de manière classe de mourir. Ah, ben alors voilà. Salut, on va s'affronter toute la soirée, je crois. J'espère qu'il y a d'autres gens qui vont venir, hein, parce que. Il va s'ennuyer, le pauvre. Il va s'ennuyer. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de voir ce que ça faisait le poulet. Je pense que ça te remonte toute ta vie, mais j'ai pas eu le temps de le manger. Ou... J'ai même pas eu le réflexe, surtout. Ça va être compliqué. Ah, ben voilà. Un troisième. C'est pas plus mal. Tu vas te battre? Tu vas te battre? Hein, tu vas te battre. J'ai bien aimé les bandes annonces de jeu. Là. Du coup, je l'ai acheté pour participer à la pré-alpha. Pour tester. J'aime bien l'univers un peu décalé. Les armes un peu délire, et puis ça change des BR classiques. Après, comme expérience de Battle Royale, je n'ai que Fortnite et j'y ai très peu joué. Donc, j'ai pas vu qu'ils avaient pas fait le lobby jusqu'à fond. Ils ont pas mis un écran noir partout. De ce côté. Mais... Ah, 4. Oh, une licorne. Une licorne. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que ça va donner? Par pitié. Ouais, c'est la faute. Bon, 320 secondes, c'est long quand même. Hein. Surtout quand t'as rien à faire. À part tabasser des gens. J'aimerais bien lui arracher son chapeau, lui. Bon, ça va pas tarder à attaquer. Si j'ai le bouton pour ouvrir la porte. Voilà, j'ai un flingue pourri. J'ai une armure. Allez. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Oh, j'ai un sniper, cool. Sniper, ça peut être cool. J'entends du bruit par là-bas. Bon, je
Je vois personne. Des armes. Je suis à fond. Ah, un sac. On va prendre un peu plus d'armes. J'en ai besoin, ça je peux pas prendre. Ah, j'ai un peu de latence, donc du coup quand je joue la porte ça met du temps. Et je me fais surprendre. Ah, j'ai plus de place. Ah, voilà, un coffre. Un coffre. Oh, un bouquin. Du coup, je... non, ça sert pas à ça. La bière. Oh, la mitraillette. Cool. Bon, c'est avec celle-là que je suis mort tout à l'heure, mais bon. Sait-on jamais. Le bandage. Il faut prendre le bandage. Bon, je suis dans la zone, c'est bon. Bon. Ça a été ouvert là, mais par moi, non, non. Ah non, c'est juste que c'est pas fermé. Il y a un autre sac en bas, mais c'est le même que j'ai pris. Ah, là. Il y a des sacs, mais... c'est pas le sac que je... Bon, l'espèce de tromblon, je le prends pas, parce qu'il a l'air pas terrible. Un coffre, cool. Ah, j'ai pris un carton pour me cacher. Je suis à la limite de la zone. Ah, c'est cette arme que j'aime bien. On va la prendre. Tac. Ça c'est quoi? Pick-up, garbage. Je sais pas ce que c'est. Je suis con, on peut faire tourner la carte. Comme c'est juste des armes. Ah, du coup, maintenant je suis malade. Tac. Je pense à recharger à chaque fois. Ah, plus de place pour prendre les bandages. J'entends personne. Je vois personne. Il y a eu un bruit là. Ah ouais, super. On est plus que deux. On est plus que deux. Je vois pas. On est à la limite de la zone. Je me suis caché dans un chiotte. Je vois personne, je vois personne, je vois personne, personne, personne. Je pourrais continuer à looter, mais... Bon, je vois personne. Où il est ce con? La zone se referme. Bon, on va tester ce machin. Ah, il est en bas. Oh non! Oh, j'ai tiré à côté, j'ai fait le boulet. J'aurais pu faire mon premier top 1, ce jeu. Tout pourri. J'ai fait le boulet d'une force. C'est compliqué. Complicado, comme dirait l'autre.
pas pourquoi, je me suis écroulé sous la pression. On est reparti pour 320 secondes d'attente. Ah, on est plus nombreux là tout à coup. Cinq, six, oula. Ça risque d'être un peu plus intéressant. J'aurais peut-être droit à des kills. Ah, on est bientôt reparti. Ah, on est 7, on est 8. Oh là là, mais ça, j'ai jamais été aussi nombreux. C'est stressant. Oh là là, incroyable. Il n'y a rien autour, super. Et ben, une bombe. On aura de quoi se recharger, c'est déjà pas mal. Je peux jamais me recharger en plus. Le tronc blanc tout pourri. Des baskets. Un sac pour mettre plus d'armes. Hop là. Une autre arme. Tac, tac. Tac. Oh, ça c'est pas mal. Le sniper c'est mieux. Oula, mais il commence à avoir du lag là. Il me fait quoi lui? Mince, j'ai rappuyé. Ah, un bouclier, c'est pas trop mal. Enfin un bouclier. Un gilet pare-balles. Une pancarte en guise de gilet pare-balles. J'ai entendu quand même un bruit là. Est-ce que je peux me fier à ce que j'entends? J'entends les portes s'ouvrir, donc il n'y a pas de raison que je puisse pas me fier. Est-ce que je reprends? Qu'est-ce que je fais, moi? Voilà, c'est ça. Je faisais n'importe quoi aussi. Ah, mais c'est pas l'arme que j'avais. C'est l'arme que j'avais tout à l'heure. Je voulais l'espèce de machin qui crache des trucs dégueulasses. Bon. On est pas dans la zone. On est dans la zone, donc il n'y a pas de souci. Ah, j'entends des portes s'ouvrir. On va chercher un peu. Ah, ça doit être par là. Comme un bruit. Voilà. Il est derrière moi. Il a failli me voir ce con. Alors, T. Effectivement, ça fait mal. Il m'a pas touché, mais j'ai eu peur. La peur de ma vie. Je le vois pas, je le vois plus, je suis perdu. Ah, il n'y a pas de porte là. Je suis en train de me dire. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait une bombe dans le coin. Pour un sac, je l'ai déjà. Je sais pas où j'ai vu les bombes. Faire tourner la carte, je sais pas où... Ah si, elle est là. Je savais bien qu'il y avait une bombe. Oula. Oh mince. J'ai fait le con. Je sais pas où il est passé. Voilà, il y en a un autre qui arrive. Recharge, recharge. Ah, ah mince. Oh, putain, c'était à prévoir ça. Je recharge alors que je suis poursuivi. Oh là là, la crise.
La crise, c'est la débandade. C'est la débandade. J'ai fait combien? J'ai fait 4e sur 7. Pas trop mal. On va voir si on spectate. Mise bandage. Il s'alcoolise. Ouh là là. La game, on va pas regarder ça pendant 15 jours. J'ai pas le réflexe de faire espace pour esquiver en plus. Ah, le cowboy merveilleux est revenu. Et la bombe, je sais toujours pas trop comment ça marche, je la pose mal à chaque fois. Prions. Prions, 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 prions. Là, on attend moins, c'est bien. Oui, si j'appuie pour ouvrir la porte, ça marche pas. Un bouclier. Ça, une bonne bière, arme secondaire, on prend ça, un peu de place pour ça, ah, un sac, comme ça j'ai de la place pour les armes, un peu de place. J'ai pas de bandage, ça serait bien d'avoir des bandages. Ah, de la bière encore. De la bière, j'en ai par contre. Pas un seul bandage, mais j'ai de la bière. J'ai un sac déjà. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Pas rien. En bas, il y a un coffre. Une arme rapide, j'en ai besoin. Les jumelles, ça a grandi. Un poulet. Et merde. Le bandage, il y en a là. Tac, on prend. La bombe, même si à chaque fois je me fais à moitié péter la gueule avec. On est dans la zone, visiblement. Oh, un petit peu de drogue, un petit peu de quoi marcher vite. Et longtemps. Oh, non, je suis pas dans la. Ah, non, je suis pas dans la zone, il y a le trait, je suis con. N'importe quoi. Là, je suis dans la zone. Plus de place, il faudra un sac vert. J'ai de la place pour du bandage, oui, il y a de la place pour du bandage. Ah. Mon ennemi, le toujours. J'ai du lag à pète. Eh mince, recharge un peu. Ah! Oh, il m'a tué.
C'est triste. C'est triste, c'est triste. Je suis mort lamentablement. Encore une fois, j'avais réussi un kill, deux kills, mais là, vu que je stream pour pas tuer quelqu'un. Je suis le mec le plus inoffensif de la Terre. Ça fait déjà 30 minutes. Try hard to not die. Space bar to dodge. J'avais pas vu qu'ils avaient indiqué les trucs. To alt fire. Open the crates. Et après, press R to reload. To load games. Run fast and load. Shift. Mais ce que je comprends pas, c'est. Il court pas vite. Pourquoi tu me frappes? Je te fais chier, moi. Run away from the wall of fire. Alt. C'est marqué. Ouais. Bon, ils sont que 4. On est que 4, je dis. Je me compte pas dans le lot. Le petit parle à la troisième personne. Il est fou. Il est fou, il est fou. Yeah, yeah, yeah. Qui a changé de cosmétique en plein milieu là. A changé de tête. Allez, plus de 36 secondes. Qu'est-ce que c'est long? Tout ça pour mourir lamentablement. Coucou, coucou, coucou. Ah, revoilà le cowboy. Et mon ennemi mortel. Allez, on est parti. Oh, bah j'attaque sur une arme, c'est bien ça. Bon, c'est une arme de merde. Hein. Oh, il y a un sac. Ça, c'est cool. Le sac que je préfère. Un sniper, pourquoi pas. Attends. Ah mais c'est une armure. Ah c'est. J'ai une armure, une meilleure armure. Pour une fois que je la trouve celle-là. D'habitude j'ai l'armure de base et là j'ai la meilleure armure. J'entends du bruit au loin. Je m'attends. On va prendre le truc pour se cacher au cas où. Ça va remplacer mon arme de merde. Un poulet que j'ai toujours pas réussi à utiliser. Je pense jamais à me recharger. C'est pas drôle. Je
suis dans la zone, c'est déjà ça. Pas besoin de chercher un peu de place. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Oh là. Ah, il y a de la bière. C'est pas la bière. C'est ça que je voulais prendre, c'était de la bière. Tu es bien gentil, mais je voulais prendre de la bière. Ça, c'est une. Hop. C'est quoi ça? Pas top. Il est un peu resté sur place, lui. Je sais pas où il a appris à jouer. Je pense qu'il est débutant comme moi, mais. Attends. Ah mince, c'est rechargé. Je voulais faire n'importe comment. Non, mais c'est bon, c'est rechargé. Faut que j'aille chercher des armes. Donc j'ai fait au moins un kill. Je suis content. Bon, il était facile parce que Jean-Patrick il bougeait pas du tout. Non, c'est normal. Mais la zone est plus loin encore, on va redescendre vers le bas, même si ça me pèse. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis pas à côté. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien. Allez, faut tourner le bâtiment pour voir les portes. Ouais. Ah, une loupe. Ça améliore la vue, non? Ouais, ça améliore la vue, mais de que dalle. Je suis plein. Est-ce qu'il n'y a pas un coffre hein? Ce serait bien. Pas un coffre, mais un sac à dos. Et un journal. Un journal. Des armes de merde. Ah. Un autre coffre. Ah, lève là le sac à dos. Des bandages, des balles. Tout, 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 tout. Ah, j'ai pas besoin de la deuxième armure. Si je prenais une bière pour me remonter, ça serait pas mal. Voilà, on se remonte un peu la vie. Il y a un god machin, mais je pense que si je vais au loot, je vais me faire mal. Je vais me faire martyriser par mes voisins, je crois. Je vais prendre la bombe, même si j'utilise rarement. J'utilise rarement parce que je sais pas l'utiliser. Ah ouais, bon, d'accord. Ah, c'est la scie. Recharge. Ah mince, j'étais en train de me recharger, j'ai pas le réflexe. Du coup, j'ai pas fait gaffe à la bombe. Et du coup, il est. J'ai fait rang 2, hein. Pas si mal, mais. Pas. Je suis pas bon, hein. Pas bon. Hein. Ah, le mec, il est mauvais, hein. Enfin, je suis moins mauvais que le gars qui reste sur place, mais je suis quand même resté sur place pour me cacher, quoi. Après. Ah, revoilà le cowboy. Et cowboy. Bon, allez, un grand sourire. Ah, le borgne est de retour. Il va nous buter. Tout,
D'accord, super, j'ai rien autour de moi, ça va être super, pratique. Oh, bon, j'ai une bombe. J'ai une bombe, c'est pour pas l'utiliser, hein, comme d'hab. Ah, j'ai eu un bug là. Ça a un peu sauté. Et mince, recharge. Yes! Je l'ai eu. J'ai eu le cow-boy. Je me suis vengé de ces années de souffrance qu'il m'a fait subir. Qu'est-ce que je veux dire, reload? Ah oui, mais c'est vrai que. Là, j'ai pas reloadé aussi. Pas les vieux réflexes. Oh là! Et voilà! Deux kills en une partie, là, mais c'est pas normal ça. Il va tomber des pruneaux, là, je pense. Demain, il va faire mauvais, hein, faites gaffe. J'ai des bandages, ça serait bien que j'utilise un bandage. Mais non, j'ai pas de bandage. Ah oui, c'est écrit tellement petit que j'ai même pas vu que j'avais pas de bandage. On va recharger et on va chercher des bandages. Des bandages, ah, dans la pièce là que j'ai pas exploré. Oui, je savais qu'il y avait des bandages, je l'ai senti. Derrière la porte, je me suis dit, ça sent le bandage. Voilà, je suis remonté. Par contre, il me faudrait de la bière maintenant pour remonter à fond. Bon, j'ai déjà un truc. La limite de la zone. Je prends la bière et je me casse dans la zone. Restez là, un peu de bière. Alcoolique que je suis, buvons de la bière. Mais avant, je sais pas pourquoi je prends cet accent dégueulasse. Bon, oula, là, il m'a vu avant moi. Ah, non, non, ah, j'ai pas eu le réflexe de sortir, c'est pas possible. Oh là là, il est tellement meilleur que moi. Oh, il est tellement meilleur que moi. J'ai fait quatrième, dommage. J'ai fait deux kills, je suis content, hein, mais oh là là. Ça sent la mouche. Ça, on entend des sons de mouche, je veux dire. Ça sent la mouche. Une mouche avec de l'odeur. Avec une odeur, sans doute. Une mouche à merde, mais ça sent la merde, mais à part ça. J'ai pris une pizza, ça faisait un moment que j'en ai pas pris, mais elle me reste sur le bide. Ça va, les parties s'enchaînent assez vite, même si là ça attend beaucoup trop. Je sais pas combien est limité le champ de bataille. Je suppose que c'est pas 100 sur le champ de bataille, ce serait un bordel monstre. Vu la petite taille de la carte. Ça doit être 10 ou un truc comme ça. Je sais pas trop. Je vais pas regarder si c'était marqué quelque part. Coucou. En tout cas, j'ai fait 2 kills. En une partie, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Il y a mieux, hein. Je m'envoie des fleurs, là. Nous le rend pas, mais... C'est pas mal. Putain, je suis désolé, j'ai mis qui me gratte, c'est un truc de fou. Tu veux te battre?
bastonnés, sont pas bastonnés. Ah, voilà un autre. Pas lui qui a gagné. Ah, le borne n'a pas gagné la partie, je dirais. Il est revenu. Si tôt, je sais pas. Ah. Tant pis. Pas que j'abandonne l'idée de le tuer, mais j'ai pas l'arme qu'il faut. Et ben. Oh, je savais bien que je pouvais le prendre. Ah, j'ai l'arme dégueulasse que je voulais au début. Oula, j'ai entendu un vieux truc dégueulasse. Ah, on va la prendre en arme secondaire. Une petite bière, c'est un sac ça? Ah non, c'est pas un sac, c'est des armes. On ouvre la porte. Personne dans le monde. Bon, ça c'est pour se cacher. Ah. Un gilet pare-balles. Bon, c'est le gilet que je veux prendre. Ah, reste sur le gilet. Pourquoi tu veux pas prendre le gilet? Tu m'énerves, tu m'énerves. Ah là. Merci. Pas trop tôt, pas trop demandé. Hein. Un sac, ça serait pas trop mal. Et de la lave surtout. Un floris lava. Des armes. Un petit sac, ça serait pas trop fou. Il y a un gros coffre là. Le gros coffre, hein, à défaut d'autre chose. On n'a pas grand chose. Hein. Ah ben voilà! C'est pas ça que je veux, c'est le sac. Je veux le sac. Ah oui, d'accord. Ouais. Les deux étaient sur l'un sur l'autre et ça buguait. Ouais, c'est particulièrement désagréable. Ça fait ça. Il y avait un coffre que j'ai même pas vu. Les chaussures. Ça se tire dessus, c'est où? Je t'ai pas piqué ton kill au moins, j'espère que t'es pas fâché. Voilà. Mince. J'ai un peu oublié de recharger mon arme. Attends, je fais ça tout de suite. Je reviens vers toi, mon copain.
Ah, il avait un bouclier plus puissant que le mien et je pensais l'avoir en full attaquant et je l'ai pas eu. C'est dommage, c'est dommage. Encore une partie à zéro kill. Ah, j'ai une méthode bien bourrin quand même. Fin de match. Ah, bon là, il n'y a personne. Ah, il y a elle. Oh, un punk, c'est nouveau ça. C'est des punks, des cônes. Des punks. Punk, punk, punk. Laisse-moi regarder un truc. Et bon. Ouais. Ils sont un peu plus nombreux. Alors c'était le cow-boy qui me tuait tout le temps, maintenant c'est le borgne. On dirait qu'il se tape dans la main, c'est bien fait. C'était pas ça que je voulais faire, c'était plus ça. On s'amuse de rien, notre gamer. 5 sur 5, je vais encore faire dernier. Oh bah j'ai de la bière. Un flingue de merde. Enfin, je dis que c'est un flingue de merde, mais je sais même pas ce qu'il fait. Du bandage. Ah, c'est quelqu'un qui a ouvert une porte pas loin. Ah non, c'est mon pire ennemi en plus. Je me suis jeté sur lui. Là. Je me suis jeté sur lui alors que j'avais pas changé d'arme et j'avais pas rechargé l'arme que j'avais. J'y suis allé comme ça. Tiens. À Fort Honor, je me jette sur les épées. À ce jeu, je me jette sur les fusils. J'ai toujours une tendance suicidaire, c'est incroyable. Allez, on est reparti pour attendre. Ok,
Oula, il y a moins en moins de monde. En même temps, c'est ça quand tu te fais tuer en premier dans la partie où vous étiez 5. Beaucoup d'attentes. Pitié, dépêche-toi. Donc là, le compteur démarre pas, hein, quand on est tout seul, donc c'est un peu triste. Attends, bon là, la VOD, tu fais 56 minutes, on va arrêter là. À plus tard, et voici un sourire.